Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo d'info puisqu'un tout nouvel emblème vient d'être offert par Bungie à l'occasion de la fête des âmes perdues. Alors cet emblème, il a fait son apparition directement sur le site internet bungie.net et pour le débloquer, il vous suffit tout simplement de réaliser la quête initiale de l'événement de la fête des âmes perdues de cette année. Donc cette quête, elle vous est donnée par Eval Event lorsque vous vous connectez directement à la tour. Ensuite, pour réclamer votre emblème, il vous suffira de vous loguer directement sur le site bungie.net et une alerte va tout simplement apparaître sur votre page d'accueil. Vous pourrez alors récupérer votre récompense qui s'affichera dans votre collection une fois le jeu redémarré. Autre information au passage, il y a du neuf côté Bungie Store avec l'arrivée notamment de la coque de spectre du Stream Charity pour lequel nous sommes très actif en ce moment, je le rappelle, ainsi que le t-shirt du loup-garou de Braytech, l'arme phare de l'événement de la fête des âmes perdues, et enfin une réplique de la relique du nouveau donjon de la fosse de l'hérésie, cette fameuse épée qui nous sert à taper les différents boss immunisés. Donc oui, les portefeuilles vont pleurer en ce moment, d'autant plus en pleine période de Paris Games Week, mais si vous voulez un petit conseil, attendez encore un petit peu, puisqu'à la fin du mois de novembre, je le rappelle, aura lieu le Black Friday, ce célèbre événement qui promet quelques réductions au niveau du Bungie Store américain. Voilà, c'était tout pour cette petite review. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle Paris Games Week pour les petits chanceux qui y sont. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde!